On a tout confisqué, jeté à la poubelle. Je pleure seulement l'argent que j'ai fait fumer, tout ça. On a jeté tout, tout. Pardon, l'entrée puis en France avec la nourriture. Ce n'est même pas la peine. Il y a les gens qui ont la chance, ceux qui n'ont pas. Voilà ma part qu'on a tout confisqué. Voilà ça, le poulet fumé. Voilà ça, tout, poubelle. Voilà ça, kilo, poubelle, tout. La poubelle, tout. Rosangui, c'est toi. La douane, voilà ça, tout jeté, maman. Tout jeté, voilà ça. L'entrée puis en France avec la nourriture. Ça ne sert à rien. Ça pouvait rester là-bas, aider même la famille. On va se caler ici, là, plus l'amende qu'on va me donner. Plus jamais. Plus jamais. On a confisqué tout, poulet fumé, poisson fumé, tout, poubelle. Voilà ça. Tout ça. Franchement, je vais prendre même un, on refuse. Monsieur, je peux pas prendre un poulet pour ma mère. Un poulet seulement. C'est le 24 décembre, on va passer Noël avec quoi? Je peux le manger devant c'est vous. C'est interdit, vous ne devriez pas être sur le sol français. Je ne savais pas que c'est interdit, je vous assure. Alors, insistez pas, d'accord? Je ne savais pas, je vous promets. Madame, je voyage, je sais que c'est sentimental, ça ne me fait pas plaisir. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne me fait pas plaisir de saisir de l'argent. Moi, mon boulot, c'est de faire respecter la réglementation. Je sais que c'est sensible, que ça blesse un peu, etc. Il n'y a pas de souci. Oui. Alors, ça va passer. Je vais vous expliquer. D'accord. Là, vous allez avoir deux amendes qui vont s'accumuler. Deux amendes? Oui, madame. Parce que vous avez de la viande, oui, qui est strictement interdite, oui, plus des produits blanchissants qui sont également strictement interdits, du fait de leur composition, etc. C'est un colis qu'on m'a donné, hein. Madame. Je vous assure, c'est pas à moi. Je ne dis pas que c'est à vous. Tout ce que je constate, oui, que c'est mon rôle, je constate que vous transportiez ça. Donc techniquement, à partir du moment où vous transportez ça, c'est que c'est vous le pour nous c'est vous la propriétaire. D'accord. Après, en dehors de tout ça, quand vous verrez les personnes qui sont concernées par ça, vous leur demanderez rétribution après. Mais pour l'instant, nous, c'est... Mais si vous savez comment les Africains sont, ils vont jamais payer à ma place. Hein. Une fois que je me fais arrêter comme ça, toute la responsabilité est sur moi. Je suis d'accord. Ils vont jamais vouloir payer l'amende, hein, alors que c'est pas à moi. Mais après, c'est à eux de vous rembourser. Ils vont jamais me rembourser. Nous, on n'y fait rien, madame. Je suis désolé. Maintenant, d'accord. Nous, on a essayé de faire en sorte que les barèmes soient équilibrés et les plus bas possibles. D'accord. Parce que là, selon nos barèmes, là, vous en avez pour 1900 euros en France de produits blanchissants. On a essayé de prendre le minimum au niveau du compte de la viande, vous en avez juste pour la viande pour 130 euros. Pour le produit blanchissant, c'est 380 euros. Les deux s'accumulent, ça fait 510 euros. À payer maintenant. Monsieur, 510 euros. Oui, madame. Mais je ne les ai pas, je vais prendre où? Non, je ne les ai pas, je viens d'Afrique, j'ai que 13 euros dans ma poche, j'ai rien. Je ne les ai pas. Bah, il va falloir trouver, madame, parce que... Non, je ne peux pas, peut-être je vais... Non, je dis, je n'ai pas l'argent pour payer, là, je viens d'Afrique, attends, je vais prendre 500 combien d'euros, je vais prendre ça où? Vous n'êtes pas obligé de payer, là?
Non, je n'ai même pas d'abord, je n'ai pas. Quand tu viens d'Afrique, tu as l'argent sur toi. Déjà, je n'ai pas des sous là. Cherche un. Attends. Attends, merde.